Hello, hello le monde et hello le monde aussi. Tu es bien dans The Big Gamoski, 19h, le stream du jour. Que va-t-il se passer? Une nouveauté? Non, plusieurs nouveautés dans le même stream? Non, du shmup alors. Ben oui, du shmup. On retourne en 1978 aujourd'hui et on va se taper un petit shmup pas connu du tout, développé par une boîte pas connue du tout. Et dont je n'ai aucune idée de la valeur, que ce soit en amusement ou en... Je ne sais quel argument trouver pour plaider en faveur de ce shmup. Alors, vais-je avoir mon petit Eiffel de démarrage? Oui, ça me semble bien parti là, parce que monsieur n'a pas très très envie. Pourtant, j'avais bien prévu le coup. Donc, comme d'habitude, c'est qui va meubler en racontant des conneries? C'est Bibi. Ah, c'est dommage, on entend les grillons déjà. Hop, sors-moi de ça. Relance-moi ça, avant que je me fâche et que je fasse la grosse voix. Active-moi ça et Banzai, sans scorpion, c'est now sur ton écran. En Panavision, THX, sur Rune of the Dead. Scorpion, donc plus que le sable et c'est bon. Hein. Alors, à quelle sauce il va nous consommer ce scorpion des sables? Ouh, que du classique, on est encore dans la période de 16-32 bits. Alors, ça, vous me dites, à quoi ça se voit, monsieur K, tu as tant l'œil que ça? En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de gros diplômes, c'est simple, tu regardes le nombre de couleurs dans la palette. En général, si on est en dessous de 256, c'est qu'on est bien dans la période 16-32 bits. Hein. Je ne peux pas mieux définir mon argumentaire et ma logique inéluctable qui rendrait Spock animateur de clownerie sur une chaîne qui est la première qu'on allume la télévision et qui donc ne fait pas rire. Bon, moi non plus je fais pas rire, alors on y va. Banzai. Non, faut pas que je le dise, ça c'est un autre youtubeur. Oula, il est vif. Va-t-il me surprendre par la vitesse? Va-t-il me surprendre par des patterns inédits, sortis du fin fond de l'imagination torturée d'un dev qui en voulait aux joueurs du monde entier? Vous le saurez après l'écran de pub. Oui, il y a des pubs maintenant. Oui. Alors, je trouve ça très moche et très raide. Ça, c'est perso. Après, il y a des gens qui peuvent aimer. Maintenant, si le truc nous fait voir après des patterns intéressants, des combats qui commencent à légèrement tirer sur la ficelle du slip, ça peut être pas mal. Donc ne vendons pas la peau du vaisseau avant de l'avoir craché. Oui, non, mais là, je... Méga Bomb. Et oui, Méga Bomb of the Dead. Ah, mais elle ne cancelle pas les boulettes, madame. Et non. Donc tu te retrouves avec ton fameux tir. Copyright myself. Piu-piu. In French. J'appelle pour les gens mal comprenants. P-I-O-U. 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 Les t-shirts arrivent, hein, je vous le rappelle. Et donc. Putain, la hitbox, elle est énorme aussi. Et donc ce jeu est vachement raide. Alors, il est certainement pas dans le top, ça c'est clair. Il se tape des ralentissements qui ne vont pas l'aider à gagner l'affection des développeurs puristes qui savent ce que c'est que de l'assembleur. C'est un échec, donc il n'ira pas dans les sélectionnés non plus. C'est dommage, finir dans la malle maudite qui est au grenier avec tous les vieux jeux archivés qu'on ne veut plus jamais retoucher. C'est quand même une triste fin. Oui, c'est poussif, alors j'arrive pas à savoir si c'est l'émulation, parce qu'on a vu au début que le jeu était vachement rapide. Là, dès qu'il y a plus de 3 sprites à l'écran, étonnamment, il se met à patiner dans le nouillard, quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment de la programmation qui a été faite avec... Vous regarderez le clip sur YouTube, vous cherchez, vous rentrez cette phrase. Je programme avec le. Vous verrez, le premier clip, ça doit être le bon normalement. Et donc, oui, c'est dommage. Voilà. Je vais continuer pour le principe. Histoire de voir le deuxième tableau s'il y a quelque chose à rattraper, mais. Dans l'état là, non, monsieur, tu sors. Et oui. Continue. Oh, j'ai un coéquipier, super. Mais c'est tout, oui, c'est tout. Pardon, ça m'a échappé. Non, il est génial ce jeu, mais le joueur est pas bon. Et voilà, on va changer le joueur, ce sera plus simple. Hein. Allez, crève truc là, tu nous en dis. Ah, bah,
Oui, bah, il arrive un stade où le fun du jeu laisse place à ce qu'on appelle communément l'ennui, le boredom ultime. Cette impression d'être là pour ne servir vraiment à rien, mais même pas à passer le temps, quoi. Que de méchanceté, fallait que ça sorte. Allez, dis-moi que ton deuxième tableau est merveilleux et que j'ai raconté des choses que je vais regretter. Ah bah oui, je regrette déjà, là. Regardez-moi ça le fond, c'est pas du tout pareil. C'était les mappings prototypes pour un bal dur. Je déconne, oh là là, surtout pas rigoler. Ouais, je me suicide, tiens. Eh ben, si vous voulez voir la suite, vous irez l'expérimenter vous-même, parce que moi, très personnellement, je crois que ça me suffit, hein. J'ai fait un calvaire de 5 minutes 46, j'ai donc rempli ma mission, qui est de vous faire des streams de 5 minutes minimum, et je vais vraiment pas insister plus loin dans ce jeu qui misérable, disons le terme, misérable. Donc, San Scorpion, désolé pour toi. Tu vas vite monter au grenier dans cette grande malle où nous mettons toutes les antiquités, les choses qui nous ont bien déçus après les avoir essayées et dont on ne veut plus trop entendre parler aujourd'hui. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à demain 19h, même endroit, et on va se faire un nouveau jeu en stream. Yaka! Pfiou.